Rebonjour à tous. Je vais vous dire quelques mots ce matin sur le lien entre Guillaume-Henri Dufour et les pierres unitons. Nous sommes en 1838, 10 ans avant le Sonderbund, et Dufour, qui a à ce moment-là 51 ans, a reçu comme mission de la Diète fédérale de lever la première carte topographique du pays à l'échelle 1/100 millième. Ce sera la maintenant célèbre carte Dufour. Le problème, c'est que notre pays n'a pas de fenêtre sur la mer. Or, la mer est en principe le niveau zéro, point de départ de la cartographie. Il faudra donc définir en Suisse un point de départ. Le Tessin est l'endroit le plus bas et le plus proche de la mer, environ 300 km. Qu'à cela ne tienne, Dufour, en tant qu'enfant de Genève, préfère partir de sa cité. Tant pis pour les 500 km qui nous séparent de Marseille. Donc, l'équipe de Dufour va partir du Marégraphe de Marseille et remonter la vallée du Rhône en faisant des visées en escalier. Ainsi de suite jusqu'à Genève. À Genève, il s'agit de trouver un endroit qui sera le point de départ de cette altimétrie suisse. Évidemment, il faut trouver un objet qui ne soit pas à la merci de la bousculade du premier tombereau ou du premier char venu. Pourquoi ne pas prendre les pierres du Niton qui se trouvent dans la rade à Genève, au nombre de 2. Entre parenthèses, Niton, rien à voir avec Neptune, bon, notre lac est grand, d'accord, mais rien à voir avec Neptune, comme souvent on a voulu le voir, mais plutôt avec le patois vaudois. Niton, c'est le diable, le démon, dans le patois vaudois. Beaucoup de phénomènes anciens qui n'ont pas pu être attribués aux hommes, on les a attribués aux démons, aux fées, pierre aux fées, pierre du diable, etc. Donc, Dufour va choisir la pierre la plus éloignée du rivage. Sur cette pierre, il fera graver, ou fera poser, sceller, un repère en bronze. Que vous voyez là, c'est la pastille noire parce qu'elle est oxydée, au sommet de cette pierre. Altitude calculée depuis le Marégraphe de Marseille, 376,6 mètres au-dessus du niveau de la mer. À part ça, la barre qui plonge dans l'eau, sur la gauche, c'est simplement pour noter les différents niveaux du lac, autrefois. Et tout en haut, à droite, vous avez une cupule, c'est-à-dire une petite cavité, une petite dépression au sommet du bloc, qui probablement portait une divinité tutélaire, un peu similaire à celle que vous avez au musée d'art et d'histoire en Bois. Vous avez ici un extrait de la carte au 1/50 millième de Genève, vous connaissez Chancy. Sur toutes les cartes, encore les cartes actuelles, sont marqués ces mots, projection conforme cylindrique à axe oblique, ça c'est le type de projection. Code de départ de l'altimétrie suisse, repère de la pierre d'unité à Genève, RPN. 373,600, alors j'ai dit avant 376,6. Donc le millimètre est garanti. Et pourquoi cette cote différente de celle que je vous ai donnée tout à l'heure? Parce qu'en 1902, lors de la révision de l'altimétrie, en corrélation avec les nivellements de précision des pays voisins, s'est rendu compte que l'altitude était environ 3 mètres plus élevée. Donc en 1902, on est redescendu de 376,6 à 373,600, qui est la cote actuelle. À l'époque de Dufour, on pensait que le soubassement de Pierre Dupont était tout à fait stable. À l'échelle humaine, oui. Mais on s'est rendu compte par la suite, avec les multiples sondages qui ont été faits aux environs, que le soubassement est mobile. J'ai dessiné ça à l'échelle. Autour des pierres, vous avez 2 mètres d'eau, de profondeur. Bon, ça dépend des années bissextiles, ça dépend du niveau du lac. Mais vous avez 2 mètres d'eau, à peu près. Ces 2 mètres recouvre du limon lacustre,
Puis ensuite, toutes sortes de sédiments, glaciaux, fluviaux, glaciaires ou lacustres, sur environ 60 mètres d'épaisseur. Ensuite, environ une douzaine de mètres de dépôts glaciaires. Et enfin, du solide, la molasse. Donc, il y a près de 80 mètres de terrain, qui sont des terrains à l'échelle géologique, qui sont mobiles. Je ne pense pas que depuis Dufour, ça a beaucoup changé, son altitude. Je suis sûr même qu'elle n'a pas changé. Bon, ça veut dire qu'il pensait quelque chose de stable, mais en fait, à l'échelle, je lui dis que ce n'était pas stable. Quelle est la nature de ces blocs? De Saussure, on y revient, à peu près en 1760, est allé examiner ces blocs. Il définit que c'est du granit. De Luc, en 1825, trouve la même chose. Et en fait, granit, du quartz, c'est ce qui est un peu gris sur ce diable, blanc, du feldspath, et noir, plutôt des micas. Voilà les composants d'un granit, normalement. Rien n'a été fait depuis De Luc, 1825. En 2011, je me dis que ce serait peut-être intéressant de refaire quelque chose avec les instruments actuels et de dater le granit. Pas l'âge de l'emplacement, de la mise en place, mais l'âge de la roche. Les pierres d'Iton sont classées maintenant comme géotopes d'importance nationale. Donc il a fallu être un peu discret. Et nous sommes allés un dimanche matin aux aurores, au mois de septembre, taper la pierre. Voilà le prélèvement. Donc, nous avons fait le prélèvement. On partait, c'est très glissant, à cause de tout le guano qui est laissé par les oiseaux. Plusieurs fois passé à l'eau. Et nous avons fait examiner une coupe très mince, microscope. Vous retrouvez évidemment le quartz, que TZ. PLG, ce sont des plages de glace, ce sont des silicates d'aluminium, de calcium et de sodium. On a aussi du microcline. Dans ce cas-là, on a plutôt du potassium que du sodium. Vous avez le mica, BT, la biotite. Et puis on a d'autres éléments, comme l'apatite. On a également des oxydes de métaux, de l'épidote. Et des zircons. Des zircons très intéressants. Parce qu'ils nous ont permis de dater la roche. Et c'est le professeur Schaltegger, donc observateur, qui a pu faire la datation. Donc les zircons sont contenus soit dans le quartz, soit dans le mica, la biotite. Et ces zircons contiennent de l'uranium. Cet uranium est radioactif. Et se désintègre, se transforme peu à peu avec le temps, en plomb, d'une manière immuable. Et grâce à cette désintégration, en regardant le plomb qui est apparu, l'uranium qui reste, on arrive à un âge de 303,4 millions d'années, plus ou moins 1,7 millions d'années. Maintenant, on peut se demander, où est-ce qu'on a, proche de chez nous, une telle roche de granit. Les plus proches sont le massif du Mont Blanc, le massif de l'Arc Gothard. Le massif du Gothard et de l'Arc présentent un granit un peu plus jeune, environ 287 millions d'années. Par contre, ce granit du Mont Blanc était très bien étudié par l'Université de Lausanne. Ils ont fait de très nombreuses datations et on tombe exactement sur cet âge. Donc ça confirme ce qu'ils ont trouvé à Lausanne. Donc, l'âge de la consolidation de ce granit, 303,4 millions d'années. Par quels moyens sont-ils arrivés ici? Bon, comme tout le monde le sait, les glaciers. Remontons un petit peu dans le passé. 22 000 ans, on se trouve à la fin de la dernière période glaciaire, celle du Vuron. Et c'est la dernière poussée du Vuron. Le glacier du Rhône remplit la cuvette genevoise. Sur plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. La place est en prise, par le glacier du Rhône,
le glacis de larve tourne avant. Vous voyez sur le diagramme du haut, glacis de larve. Bon, il ne tournait pas si abruptement que ça. Il va faire un bricolage de flèches. Quoi qu'il en soit, il tourne et il passe à peu près par la roche sur Foron. Il passe par le col des Évires, direction Annecy. 2000 ans plus tard, il y a 20000 ans, un lac pro-glaciaire, c'est-à-dire devant le glacier, est retenu par Mont-Sion Vouache. Il est environ, il présente un niveau environ 100 mètres plus haut que le niveau du Léman actuel. Le glacier continue son retrait, 18000 ans, il y a 18000 ans. Il reste un moment stationnaire, donc il stagne à l'emplacement de la ville. C'est de ce moment-là que date la colline de la vieille ville. Ces dépôts glaciaires de la colline de la vieille ville ont 18000 ans. Et puis le retrait va continuer. 17000 ans. Le lac est encore 30 mètres plus haut que le niveau actuel. Évidemment qu'on ne voit pas les pierres, évidemment. Mais ce glacier du Rhône vèle des icebergs. Et sur ces gros icebergs, parfois, ils sont de passagers clandestins. Les blocs les plus gros qui sont tombés dessus. Et sur celui qui est le plus en avant, vous voyez des blocs. Ça pourrait être les futures pierres lunitaires. Avant qu'elles choient au fond du lac. Le glacier s'est maintenant très très fortement retiré. Il est déjà au bout du Léman. Le lac a encore 8 mètres. Il s'abaisse progressivement en sciant ses dépôts moréniques qui le retenaient. Vous voyez déjà à gauche en haut les falaises de Saint-Jean. Et vous voyez cette sorte de presqu'île qui avance, c'est la vieille ville, c'est la colline de la vieille ville. Bien dedans sont toujours submergés. Le petit Nant qui arrive là en bas, près à la hauteur de Jargonan, donc à l'emplacement du musée d'histoire naturelle, à peu près. Faisons un grand saut. Environ 3000. Le glacier est déjà plus loin que Saint-Maurice. On a déjà passé le néolithique. On est déjà bronze inférieur, à l'âge du bronze. Le climat est devenu plus sec. Et la rade est à peu près asséchée. Quelques ruisseaux qui passent. Vous avez la trace en rouge actuelle. Comment est-ce qu'on peut affirmer ça? Très simple. Vous avez un haut fond, le vent de travers, à peu près entre un peu plus sort, à peu près où il y a la nautique. Et sur ce haut fond, on a retrouvé les traces très nombreuses d'établissements palafitiques, donc lacustres. Donc, vous voyez, peut-être, ici, des établissements lacustres. Donc, si des gens se sont établis là, c'est bien parce que c'est à pied sec. Donc, c'est une preuve que le monde est dans cette état-là. Quoi? Beaucoup moins de précipitations, plus d'évaporation, un équilibre entre les apports et l'évaporation. Mais il y avait peut-être quelques ruisseaux qui circulaient encore, qui allaient vers les falaises de Saint-Jean. Ne pensez pas que nos pierres du sont les seuls gros blocs le long de la rive gauche du Léman. On voit là, par exemple, qui se trouve sur le domaine de l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, à Corzan, juste avant Tonon. Et vous voyez, c'est un bloc qui est conséquent. Et plus gros que Pierre Dito. Vous avez tout le long, des centaines, mais la plupart sont submergés. De Luc les a répertoriés, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, et presque tous submergés. Je ne parle pas de ceux qui sont dans la RPI, mais je parle de ceux qui sont dans l'eau. Alors, on a dit qu'il provenait du massif Mont Blanc. Oui, le massif Mont Blanc est assez allongé. C'est en tout cas pas de la partie occidentale, puisque le glacier de l'Arve bifurque avant. Ça peut être que la partie orientale. Et là, j'ai porté le trajet possible. Quand j'ai pas... Ah oui, en rouge, ce sont justement les roches plutoniques, les granites, roches cristallines. Vous avez le massif de la Gotard, là-bas. Vous avez là au milieu. Quand je dis là-bas, c'est loin. Là, vous avez Mont-Blanc et puis la Belle. Donc, c'est la partie orientale. Ça dit pour nous, Trian, Salena, par le Val Ferret. Et les,
veut dire diamant, c'est du granit, que j'ai dessiné le long de la rive gauche du lac. Donc ce sont les dépôts successifs. Maintenant, attention, la vallée de Chamonix était très très envahie, encombrée de glaciers. Donc il est certain, je ne dis pas qu'il n'est pas possible, il est certain que les glaciers français, il faut des fois être pas trop chaud, hein, les glaciers français du haut de la vallée de Chamonix, c'est-à-dire glaciers d'Argentière, glaciers du Tour, ont eu des diffluences, c'est-à-dire des écoulements par-dessus le col des Montères. Donc ils sont passés par-dessus, parce que c'était rempli la vallée de Chamonix, passés par-dessus le col des Montères, ça a été prouvé, en redescendant justement par le triangle sur le Valais. Donc on ne peut pas exclure que ce sont des blocs français. désolé. Même si ils sont de l'autre côté du monde. Alors maintenant que vous savez à peu près tout sur les pierres du Liéton, vous ignorez peut-être, même si on a dévoilé quelque chose, M. Schlouder a dévoilé quelque chose tout à l'heure, donc la bière du Liéton, avec laquelle vous aurez l'occasion de faire connaissance tout à l'heure, à la fin de cette matinée.